Salut à tous, c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre et la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 5 boosters Star Étincelante. J'espère que la vidéo d'ouverture vous plaira, mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien, ce n'est pas encore fait. C'est parti, donc du coup on va s'ouvrir ces 5 boosters là. Si vous voulez voir quand je les ai achetés, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie très récemment sur la chaîne, voire même hier, tout dépend quand sortira cette vidéo. Donc du coup franchement c'est vraiment super cool de s'ouvrir ça. On va s'ouvrir évidemment les 4 illustrations. On va s'ouvrir la première avec Shaymin, ensuite la seconde avec Arceus, ensuite celle avec Dracofeu et ensuite celle avec Blancoton. Donc du coup je voulais m'en ouvrir un de chaque au minimum et ensuite j'ai pris un booster Dracofeu en pif ou au pif en plus parce que j'en avais eu plusieurs, donc des Dracofeu, celui que j'ai eu en plus d'illustration, donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre ça. On va les ouvrir comme ils viennent de toute façon. Moi dans la précédente vidéo comme je vous avais dit, mon préféré c'est Arceus en termes d'illustration, en deuxième Dracofeu, en troisième le Shaymin et en dernier évidemment le Blancoton. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre illustration préférée. Donc on est parti directement pour le petit Shaymin. Donc voilà, on est parti. Hop. Donc je pense que c'est du 1, 2, 3, 4. Ah donc déjà à la place de l'énergie, on a une carte spéciale V-Star. Donc ça voilà, j'ai déjà vu une ouverture ou deux sur internet où ils avaient ça à la place de l'énergie. Donc c'est normal, c'est fait pour, c'est pas un truc spécial. Donc du coup on commence directement avec Cryptero, ensuite Parishisu, la ceinture choix, le Tiplouf, le Tortipus, le Farfuret, le Tic, Spiritomb, le Chenicelle et attention le Libégon en simple rare. Voilà, donc aussi j'ai vu une petite, je sais pas, sur plein d'ouvertures, on nous dit que quand on a un code blanc, c'est qu'on n'a pas d'ultra hors petite série alternative qui peut être à la place de la reverse. Et quand on a un code noir, c'est qu'on a minimum une holographique, donc on va vérifier ça dans cette vidéo également. Donc c'est le moyen de vérifier, bah, c'est d'en ouvrir pour voir. On verra si ça se vérifie avec notre ouverture. Donc là on a encore du blanc, donc sûrement rien, on verra bien en tout cas. Hop, donc... Ah bah on a encore une carte pour les V-Star, je sais pas si c'est courant, mais j'en avais vu qu'une dans tout ce que j'ai vu comme ouverture, donc on verra bien. Donc j'ai déjà Click, ensuite Ambition de Sincha, le Chartor, le Tarinor, le Crémy, ensuite le Polarum, le Deden, et attention, on a le Canartichaud, et attention, nous avons le Mélophée, et nous aurons rien, donc Litikik. Pour l'instant, c'est vérifié, quand c'est du blanc, on a vraiment rien. Donc pour l'instant, on verra bien si ça s'améliore par la suite, hop. Donc on passe au booster Dracofeu au premier. Voilà, je vous le montre. Donc du coup, on a encore du blanc. Donc on n'aura pas beaucoup de chance, on dirait. Ah, on aura enfin la première énergie de l'ouverture. Donc énergie électrique. Ensuite, la fierté de Rosemary, le Boscara, le René, les Tourmis, le Spiritomb, le Chacripan, le Crémy, ensuite le Lixi, le Mustéboué en reverse. Et attention, le Maganon en simple rare. Voilà. Donc pour l'instant pas trop de chance. On a encore un booster Dracofeu. Hop, directement. Du coup, voilà. Et attention, on a encore du blanc. Bah voilà. Franchement, on n'a vraiment pas de chance pour l'instant. Donc on a énergie plante, le casque marmite, le noix de coco, l'ami de Galar, le carabingue, Mustéboué, Brutalibré, Judo Crack, Magmar, le Boscara qu'on a vu tout à l'heure en peu commune reverse. Et les Touraptor en simple rare. Bon bah, dernier booster, l'illustration que j'aime le moins, mais est-ce que parce que c'est l'illustration que j'aime le moins, on aura plus de chance? Je l'espère en tout cas. Donc on va voir ça. Oula, j'ai déjà un peu abîmé, mais bon, c'est pas très grave. Je vais sûrement en rouvrir d'autres. Donc, déjà on a du noir, donc on a minimum une holographique normalement. Donc ça c'est déjà super cool. Alors, 1, 2, 3, 4, je vais essayer de pas les abîmer. Ouh, bah normalement ça brille un peu, on dirait au-dessus, donc on verra bien. Donc on a Énergie Psy, le Luxio, le Kaopera, le Bassin de Magma, le Coupenote, le Grimalin, le Magmar. Attention, nous avons le Riolu, nous avons le Chunity, désolé pour la petite, le petit spoil. Nous avons l'Evoli, donc ça, ça doit être dans le petit set supérieur ou c'est juste des... Oui, c'est ça. Donc c'est les TG11 sur TG30. Et attention, à la fin, nous avons le Galeking VMAX, donc deux ultras, je compte comme une ultra en tout cas. On a deux ultras pour le dernier booster. Heureusement qu'il y a ce dernier booster. Franchement, ça fait bien plaisir. Hop, je vais juste les mettre sous pochette. Donc j'ai encore les pochettes qu'on a achetées hier. Je vais les déballer devant vous. Hop, voilà. Voilà, hop. Et on va en sortir deux du coup pour mettre ces deux magnifiques cartes. J'ai bien fait d'acheter des pochettes hier du coup.
Alors je sais pas si c'est celle qui s'ouvre sur le côté, je crois que oui. Ah non, c'est celle qui s'ouvre au-dessus, celle-ci. Donc on va déjà mettre le petit Evoli, bien sympa. Voilà, donc le magnifique Evoli. Ensuite, on va pouvoir mettre sous pochette le magnifique Galeking VMAX, qui est un de mes préférés Pokémon. Le Galeking, c'est un Pokémon que j'adore, du Blokex, de la série animée que j'avais regardé pour Pokémon. Donc c'est vraiment super top. Bon, c'est le VMAX, j'aurais préféré l'autre aussi, mais c'est très cool de tomber sur une VMAX. Franchement, on a vraiment eu de la chance pour le dernier booster, heureusement qu'il était là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'étais très content du dernier booster qui m'a rattrapé l'ouverture. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ouvert des boosters, donc de V-Star, donc de Star Instant, pardon. Donc est-ce que vous avez eu des V-Star, des choses comme ça, ou le petit Dracofeu Rainbow qui ferait bien plaisir à tout le monde, je pense. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Facebook, Twitter et surtout sur YouTube. Et sur ce, ciao, ciao!